Oh merde! Et j'ai même pas pu faire une estoque, une roulade, parce que l'estoque du chevalier, elle m'a tapé quand j'étais encore bloqué. Ah merde! Bon. Allez, c'est pas grave. Ah, c'est con, c'est vraiment des erreurs bêtes. Je gâche tellement la run sur des. Sur des trucs si bêtes. Ah, c'est pas grave. Gandalf, Triss et Miyazaki. Allez, je vous prépare un nouveau sondage. Allez-y! Choisissez le personnage que je vais utiliser pour cette prochaine run entre Walter, Triss, Gandalf et Miyazaki. Vous avez 55 secondes à partir de maintenant pour faire votre choix. Hop. Alors, Triss à 45% des voix pour l'instant. Derrière, on a Gandalf et Miyazaki qui sont aux alentours de 25. Il vous reste 20 secondes pour faire pencher la balance dans un sens ou dans l'autre. Allez-y, choisissez. Merci beaucoup à Enoria pour le follow, c'est super gentil. Merci beaucoup. Alors, reste que quelques secondes. Triss à 50% des votes. Je pense que ça ne va pas bouger. Allez, on est parti. On va sélectionner ce personnage et on va lancer la run numéro 1605. C'est parti pour une All Bosses. Un nouvel essai de All Bosses sur Dark Souls 3. Objectif, tuer les 25 boss du jeu en moins d'une heure, 11 minutes et 39 secondes. Je viens de reset deux fois dans le vortex. Une fois contre les squelettes après Pain Skip, donc à l'avant-dernière exécution. Et une fois contre l'ogre et le chevalier au niveau de l'anthracite. C'est dommage. Je reset à des endroits. Encore les squelettes, ok, c'est un peu complexe donc c'est normal. Par contre, leur reset sur l'anthracite, c'est un peu cringe. Surtout que c'est vraiment un gauche-droite que j'aurais dû faire et c'était tout bon. Mais bon. On reste motivé, on s'accroche et on lance du coup ce nouveau run. Avec la volonté de faire la run la plus rapide possible. Allez, c'est parti. On commence tout de suite avec le premier combat contre Ulex Gundyr. Premier boss sur 25. Ça fait trop longtemps que je regarde, mais en fait, je ne t'ai même pas follow, c'est trop grave. C'est pas grave, t'inquiète. Maintenant, c'est chose faite. Vaut mieux tard que jamais, quand même. La vieille expression, vraiment. L'expression d'ancien, quoi. Prends-toi. Ok, nice. Transformation. Ok, nice. Attaque chargée. Hop. Deux attaques chargées. Hop. Hop, parfait. Le boss est fait oblitéré. À une grande vitesse, ça fait plaisir. On peut passer au sanctuaire de l'Ichefeu. C'était très rapide comme Utex Gundyr, c'est très bien. Merci beaucoup Abex pour le follow. Waouh Lizzie aussi, merci beaucoup. Bienvenue à vous dans le laboratoire, bien sûr. Allez, on drop les stocks au sol. Et on est parti du coup pour ce nouvel essai. Épée, dague. Quelques achats effectués avant d'accéder à la première zone quand même. Les potions, on s'en met 4 de soins. Excellent. Et l'épée, je lui attribuer l'élément feu. Bonne nuit Mika, j'espère que t'as apprécié la session. Demain boulot malheureusement, pareil pour moi. Force à nous, force à tous les travailleurs. Vous êtes satellisé. Merci Coriane pour le message, c'est gentil. Allez, on y va. On ouvre la porte et on va pouvoir accéder au grand mur de l'Ostrich. On va voir comment les monstres vont réagir à mon passage. Alors, on traverse pour l'instant sans aucun danger.
va descendre en bas. Et s'orienter vers... la première rencontre du jeu. 1, 2, 3, 4, ça fait plaisir, on continue. La roulade est bonne. Je vais descendre tout en bas pour aller chercher les couteaux de lancer. Parfait. Attention, qu'est-ce qu'il va me faire le méchant? Ok, j'ai eu le temps de passer, j'étais pas trop sûr. Bon là, il va forcément me sauter dessus, donc aucun problème à esquiver. On peut grimper en haut. Et lui, il a pas l'air très 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 attentif, tant mieux. Ça me permet de traverser ce passage sans aucun souci. Les monstres ont été très gentils. Attention à ne pas rater l'annulation des dégâts de chute, cependant. Très bien, le dash qui passe bien, on continue. Allez, le premier chevalier, on l'esquive. Avec une bonne régène d'endurance pour qu'il me remarque le plus tard possible. Ensuite, on va récupérer la petite bannière. Et on est prêt pour affronter Vort de la Vallée Boréale. Merci, Matt Lafleur. Pour le follow, c'est gentil. Yo, celui qui se cache. Combien de temps le Vortex? C'est 15 minutes, les 15 premières minutes de run sont considérés comme étant le vortex. C'est mon troisième essai, là, pour en sortir. Allez, tout est bon. Je vais poser mes résines au sol, excellent. Petit tumble buff, on récupère les résines, et ça met du coup... de l'électricité sur mon épée. 5, 6, 7 coups déjà posés sur le boss. Qu'est-ce qu'il va me faire? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Putain. Bon, n'en parlons pas, c'est de la merde. Qui nous fait encore le chimiste là. Ok, je perds 8 secondes sur le boss. Dommage, on avait un très bon départ, mais alors là, sur Vort, c'était catastrophique. Catastrophique. Je suis un bon départ où j'ai pu lui mettre les 7 coups instantanément, mais après, il m'a fait un coup de poing que j'ai dû esquiver obligatoirement. Ce qui m'a fait perdre du coup pas mal de temps. Ce qui nous fait encore. Avec le une très mauvaise là. Gestion de la transition en phase 2. On est donc au camp des morts vivants. La deuxième zone du jeu. Je baisse bien les yeux pour faire en sorte que les chiens retardent leur aggro le plus possible. Et ça c'est très bien. Ça me permet de passer sans problème. Jusqu'à la place principale des villageois, parfait. L'allée principale, on va la descendre le plus vite possible. Là aussi, j'espère ne pas me faire toucher par un seul ennemi. Ok, bon, mis à part vraiment le coup que j'ai pris sur Vort, en vrai de vrai, on n'est pas si mal. J'ai beaucoup de points de vie. J'ai 2 potions encore en stock. C'est plutôt rassurant. Fais attention à ne pas prendre trop de coups, sinon on va avoir des problèmes. Hein. On reste tout juste quand même. Hein. Ça reste tout juste. Alors... papa, lui non plus, j'appâte le monstre avec ma résine. On passe à toute vitesse, sans faire de roulade. Ça me permet de traverser la deuxième porte, nickel. Et on va accéder du coup à l'arène du troisième boss de la run, l'arbre géant maudit. Que je vais tenter d'éliminer correctement une fois de plus.
Allez, on passe ça au sol. Tumble buff. Pour mettre du feu sur mon épée. Et c'est parti pour la bagarre. Do it. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Excellent. J'ai eu un peu peur du villageois, mais au final, il était plutôt tranquille. Je cancelle Destu, ce qui me permet de me caler bien. Ok. Alors, on va mettre deux coups ici. C'est pas forcément installé là où je le désirais, mais bon. Il a pris bien cher quand même. Et tout skip. 1, 2 et 3. Clean. Il fallait sauter dans les airs au moment. Et quitter au moment où le boss meurt. C'est réussi. Donc je ne vais pas être dans la fosse du boss. Et je vais donc être remis devant son arène. Encore une fois, c'est très bien joué. Pour le coup, aujourd'hui c'est impressionnant. Là où d'habitude, dans le Vortex, j'ai des difficultés sur le camp des morts-vivants, aujourd'hui, chacun de mes passages camp du mort-vivant fonctionne à merveille. Coup de chance ou progression, j'en sais rien. Dans tous les cas, on va essayer quand même de finir la zone, puisqu'il reste deux exécutions complexes. Il va y avoir le pont de la mort que je dois traverser, et il va y avoir l'annulation des dégâts de chute, qui n'est pas forcément évidente non plus. L'évangéliste qui tombe dans le vide, ça fait plaisir. Putain, le coup, j'ai eu peur, là. Ouh, j'ai eu peur, hein. Les trois m'ont attaqué en même temps. Il y en a un qui m'a touché super vite. Heureusement, j'ai pu faire une roulade pour m'en sortir. Parce que si les trois me touchaient, mon gars, j'allais être mal, hein. J'allais être vraiment mal. Allez. Attention à l'annulation des dégâts de chute, faut pas que je me plante là-dessus, courage. On a un bon départ, donc faut pas le gâcher. Ouh, ça passe tout juste, mais ça passe. Allez, on évolue du coup, on va se pouvoir sortir de la deuxième zone du jeu. Pour accéder à la route des sacrifices, la troisième. Ouais, une cam comme ça. En vrai, Samuel, ouais, ça pourrait être cool, en vrai. C'est ce qui est fait parfois dans plusieurs émissions. Mais bon, au niveau de la mise en place, je vous avoue, les gars... Ouais. Flemme, hein. La bonne grosse flemme, hein, on va pas se mentir. Ah, j'ai plus de vie, par contre, fait chier. Do it. Allez, gros glitch à effectuer. Ouf, tout juste. Ok, donc je me suis approché très proche du vide. Pour récupérer ce qu'on appelle la death cam, la caméra de mort. Cette caméra va me permettre d'empêcher le chargement de divers éléments dans la prochaine run et de passer à travers la porte qui sert de raccourci entre le boss du marais empoisonné et la zone où je suis. Donc vous l'aurez compris, je vais complètement éviter le marais empoisonné, je vais gagner plusieurs minutes grâce à cela. C'est l'évitement du bastion de Pharaon, le FKS. Vous êtes satellisé. Ouais, il y a les touches en bas, hein, c'est déjà pas mal, bien sûr. Mais ça fait un côté pro d'avoir la cam en plus comme ça, c'est stylé. Bien implémenté et tout dans le layout, c'est un côté pro, quoi. Ce que je n'ai absolument pas. Enfin bref. Allez, l'âme de mercenaire, attention, je veux pas me faire massacrer ici. Pitié. Laisse-moi tranquille, toi. Hop là, on esquive les deux, c'est très bien. Allez, au niveau des points de vie, on est tout juste, mais ça devrait faire l'affaire si je me fais pas toucher avant d'affronter les veilleurs. Au niveau de la vitesse, c'est très bien. On a un excellent départ, on va pas se mentir. Moins 13 là, dès le début, avec seulement 14 secondes de perdu sur le Sum of Best, c'est exceptionnel.
Oui, sur mon PB, j'ai raté le FKS. En fait, j'ai pas réussi. Vous voyez le saut pour obtenir la defcam? Quand on le réussit pas, on doit quitter, se replacer et le refaire, et ça coûte 10 secondes. En plus de ça, donc vous allez me dire, ouais, Kémy, c'est bien marrant, tu dis 10 secondes, mais là, il y a marqué 15. Bah, je vais vous dire, oui, parce qu'il y a une nouvelle stratégie que j'applique depuis mon PB qui me permet de gagner 5 secondes. Donc 10 plus 5 égale 15. Allez, on s'approche du quatrième boss de la run, le Veilleur des Abysses. Attention, il va complètement être bloqué à l'aide d'un glitch. Je vais complètement tricher sur ce boss. Et il y en a deux au total qui seront complètement bloqués à l'aide de glitch. Les Veilleurs des Abysses et Aldrich un peu plus tard. Mon PB, c'est 1h11 et 51... 1h11 minutes et 51 secondes, Dark Fight. Allez, on va te mettre sur le bord. On va attendre que notre personnage se place. Et on quitte. Donc là, j'ai fait exprès de faire cette attaque chargée pour être pile sur le bord de l'arène. Normalement, lorsque je vais revenir sur le jeu, je devrais, soit si ça marche, être dans l'arène. Et si ça marche pas, être à l'extérieur ou bloqué dans le brouillard. Prions pour que je sois dans l'arène. C'est très bien. Donc là, voilà, l'attaque chargée, elle a permis de me placer ma position de quit-out pile sur le bord. Le jeu, lui, il n'a pas réussi à m'éjecter de l'arène, donc je peux complètement tabasser le boss sans qu'il puisse bouger, puisque pour activer son IA, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est de traverser le brouillard. Allez, 2 coups, plus 6, donc je dois mettre 14 coups pour tuer le boss. Je mets donc 2 plus 2 fois 6. Non. Ah, pour une fois que les menuings sont rapides, ça fait plaisir. Tumble buff pour dupliquer l'âme des veilleurs rapidement. Allez, on y va. Merci beaucoup, Toano, pour le premier mois de Prime. C'est super gentil, merci beaucoup. Pour tout le soutien, ça fait plaisir. On va descendre tout en bas. On enchaîne. Trop de régène dendu. C'est l'heure du pen skip. Il peut massacrer mon début de run, donc prions pour que ça passe. Pas de chance. J'ai perdu du temps, malheureusement. Le pen skip qui passe pas, c'est dommage. Eh ben merci, enfin, deuxième essai, c'est bon. Perds 10 secondes, pas de chance. Attention, j'ai pas beaucoup de points de vie, hein. Force. Merde. J'oublie. Putain, j'avais oublié qu'il y avait ce connard qui était là. Voilà, c'est vrai que quand on first try pas le fan skip, il y a forcément le deuxième squelette qui se place pile au mauvais endroit. Ça va. Je suis vivant. Allez, on se concentre pour le passage. Ouais, ça va. Hein. Ça va, hein. Là j'ai bien géré. Toutes les esquives ont été gérées sur des attaques extrêmement rapides. Des jets de dagues à l'infini, des coups d'épée un peu énervants. Je me suis bien débrouillé, ça fait plaisir. On continue. Il me reste juste une seule exécution à passer. Cette exécution, c'est le passage, enfin c'est le combat contre Chef Suprême Volnir. Et on aura du coup brisé le vortex une deuxième fois. Non. Malheureusement, j'ai perdu un bon 13 secondes à cause du fan skip, mais c'est pas grave. Ça se passe ce soir ou c'est la merde? C'est mieux que d'habitude. C'est mieux que d'habitude, j'arrive à passer les débuts de run. Je fais parfois des erreurs un peu bêtes, mais ça va. Par contre, le PB distance, il est uniquement au château de l'Osric. J'ai fait une grosse erreur qui m'a tué tout à l'heure. Sur un trash mob du château, j'étais très très bête, j'ai complètement oublié un détail. Ce détail, bizarrement, il avait une épée de plus de 2 mètres et la capacité de one-shot mon personnage. Pas de chance, ça dit donc. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
2 et 3. Allez, c'est très bien. Venir éliminer cette tunnel RNG qui va me coûter entre 3 et 4 secondes par rapport à mon record absolu. Ce qui nous fait encore le chimiste. Parfait, c'était plutôt rapide. On va donc maintenant accéder au lac incandescent. J'arrive à sortir du vortex une nouvelle fois. Ça doit être la quatrième fois sur 8, si je dis pas de bêtises. Faut checker sur le point d'exclamation run. Oh non. Ah putain, fais chier. Ça. Ah, à chaque fois que je suis trop loin et là... Pour backup, j'ai pas le choix. Je dois faire ça. Je vais perdre du temps, malheureusement, encore ici. Quelle erreur de ma part. Quelle erreur de ma part. Oh. Oh, what. Descendu sans animation, incroyable. Bon, grave erreur de ma part, mais bon, c'est pas grave. On va perdre encore 10 secondes, je pense. Parce que le temps de quitter... Ouais, ce qui nous fait 8 secondes là-dessus, dommage. Ah là 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 là, on avait un bon départ, mais depuis le fan skip, j'ai enchaîné deux erreurs. Enfin, l'erreur du fan skip et l'erreur là. D'aller trop loin et de tomber trop tôt avant de pouvoir faire le tumble buff. Mince, pas de chance, mais bon, c'est comme ça. Allez, phase de menuing, on reste concentré. On peut revenir dans le chrono. Enfin, au niveau du temps, on peut revenir sans problème. Non! Ah, le délai menu qui a refusé l'achat des fragments. Fragments qui me permettent d'améliorer mon arme. Quel dommage, quel dommage. On y va, c'est parti. Alors, le vortex est terminé, je suis sorti en plus 10, on rentre maintenant dans le bloc de la cathédrale des profondeurs. L'objectif, c'est comme d'habitude, d'essayer de rentrer dans la zone de la cathédrale des profondeurs. Pour ça, il faut tuer le sage de cristal qui bloque complètement la voie. Une fois que c'est fait, il va falloir la parcourir entièrement pour pouvoir affronter les diacres qui possèdent la petite poupée qui est un objet clé qui me permettra d'accéder à Erisil de la vallée boréale, donc qui me permettra d'accéder à la suite du jeu. Le crabe s'est esquivé sans trop de problèmes, c'est très bien. Le no-go. Ah, oh, j'ai pas eu le temps de lancer la roulade, Jason. C'est tout juste, hein. Tout juste. J'aurais pu l'esquiver en plus, le no-go. Tout en cassant les trucs en bois, là. Mais c'est pas grave, on continue. Le sage arrive très vite puisqu'il est... Juste devant moi, dans 3, 2, 1. Let's go, c'est maintenant. Ce qui nous fait encore le chimiste, là. Pas de sous le masque, parfait, dommage. Allez, on va mettre des gros contacts sur le boss. Et on va se faufiler vers là où il va spawn. Christo à gauche, Christo à droite. Il sera forcément ici. Oh, il était loin, non? The fuck. Ce qui nous fait encore le chimiste. Allez, on continue. Merci, Sadloere. Pour le follow, c'est très gentil. Ok, je vais récupérer ça, une esquive et une deuxième esquive. On passe à la suite. Hop, j'ai récupéré l'armure de héros. C'est une meilleure armure que l'armure d'assassin. Ça me permet de tanker plus de dégâts. Yo, my side safe. Merci beaucoup pour le GG, c'est gentil. Waouh. Maintenant, j'ai un nouvel objectif. Je veux être encore plus rapide. Putain, fais chier, j'aurais pas dû prendre ce dégât, là. Allez, dogo. Ok, il est juste tombé sur mon dos, tout va bien.
Ok, j'ai perdu 2 secondes malheureusement sur ce déplacement. Allez, faut s'accrocher. Hein. Faut s'accrocher, c'est pas évident. On est en plus 10 depuis le début. Parfait. Ouais, j'avais peur qu'il soit pas allumé. J'avais un peu peur qu'il soit pas allumé, je sais pas pourquoi. J'aurais pas dû me retourner là, c'était un peu bête. C'est pas grave. Alors, j'ai atteint la chapelle de Gaël. Ça va me permettre d'accéder au DLC numéro 1 bien plus tard dans la run. Ici, on rentre dans le cimetière de la cathédrale. Je dois absolument me soigner à cause de mes points de vie qui sont pas au max. Ouh, j'ai raté ma potion, d'accord. Dommage. Droite est bon, on continue. Donc là, il faut juste traverser le flanc de la cathédrale. C'est juste une phase de déplacement un peu longue, mais bon, ça va le faire. Super transfert, c'est bien joué. La régène d'endu, le jump, et on continue. Régène d'endu, parfait. Pareil. Oh, j'ai fait une erreur. Wouah! Chef! Putain, chef. J'ai pris quoi en plus là? Chef! Oh merde, j'ai mal joué. Eh merde! Eh ouais, j'ai régénéré mon endu bien trop tard. Du coup, le lutin il est sorti. Il m'a massacré avec ses attaques. Sa dernière attaque, j'étais vraiment pas prêt. J'étais vraiment pas prêt. Je me suis bien fait avoir du coup. On reprend. Allez, on va prendre ces 2 potions. Et on va se faufiler vers la suite. De la run, parfait, avec la carcasse derrière qui voulait massacrer. Les lignes sont plutôt bonnes, j'imagine. En tout cas, j'espère. On ramasse l'anneau épée de Lloyd. Mauvaise RNG du géant. Est-ce que sa main me gêne? Oui. Mais l'annulation des dégâts de chute est bonne. Et allez, faufiler, j'ai beaucoup d'endurance, donc faut bien que je m'en serve. Pour me barrer le plus vite possible. Parfait. Attention au lutin et attention à la boue. Il faut écouter le son. Superbe esquive. Allez, on est toujours full HP. Ça va être compliqué de rester full HP pour les diacres. J'aimerais bien pourtant, puisque ça me permet déjà de survivre, MDR. Ça me permet de me mettre en sécurité quand je me soigne. Et en plus, ça me permet d'avoir plus de dégâts grâce à l'anneau épée de Lloyd que j'ai ramassé à l'instant. On équipe le tout. Et c'est parti, on continue. Septième boss de la run sur 25. C'est parti pour les diacres. Et attention au point de vie. Eh ben ça commence. Putain de merde. Il a fallu un seul porteur de flamme pour tout gâcher. Bon. Ça va être chaud. Hein. Oh, j'ai une potion, ça, j'ai pas vu. Ok, c'est bon. Qu'est-ce qui nous fait encore bon. Chimiste, là. On est rentré dans le bloc de la cathédrale des profondeurs en plus 10. On ressort en plus 15, malheureusement. Mais c'est pas si mal. Au moins, on s'accroche. La run n'est pas morte. On peut continuer. On va accéder maintenant au bloc d'Anorlondo. L'objectif, ça va être de traverser d'abord tout Irisil pour accéder à la zone. Il y aura des skips, il y aura des chiens, il y aura Sullivan. Et une fois que je serai à Anorlondo, il faudra le parcourir, enfin parcourir la zone entièrement
pour pouvoir y trouver Aldrich, dévoreur des dieux. Et deuxième seigneur des cendres sur 4. Merci Vnox Delta pour le follow, c'est gentil. Il y a le Restic aussi, merci beaucoup pour le soutien tout le monde, ça fait super plaisir. Bonsoir à toutes les personnes qui arrivent sur le stream, que ce soit en lurk ou directement sur le chat. Je me bats du mieux que je peux dans cette All Boss 6 de Dark Souls 3. Là, je viens de récupérer l'œil droit du grand maître en tuant la bête. L'œil droit du grand maître a pour effet d'augmenter mes dégâts lorsque j'effectue des combos. Non, le pont de la mort, c'était dans le village des morts-vivants. Juste avant d'arriver au pont de Sigward. À l'ascenseur de Sigward, pardon. C'est n'importe quoi. Allez, la nouvelle route me donne 9 secondes, c'est bien. C'est une Aoxki. Ouais, je connais Ratatat depuis que je suis Forza. Donc ça doit faire à peu près 2 ans. J'ai découvert très tard quelques musiques là de la playlist de Forza que j'ai prises. Elles sont vraiment bien. Ce qui nous fait encore le chimiste. Clean. Salut artisan plombier. Merci Miaoumix pour le follow, c'est gentil. Ekmoul aussi, merci beaucoup. Donc j'ai allumé. Là on l'a bien allumé, j'ai bien vérifié. En fait, faut que je vérifie si ça allume ou pas. Donc j'ai allumé le feu. Qui sert de carrefour entre la zone de Yorm et la zone de Sullivan. C'est moi ou je suis en roulade lourde là? Non. Non, c'est bon. On est dans le bloc d'Anorlondo, donc moi, je vais préférer me diriger vers Sullivan. Pour ça, on va se rendre dans le cœur d'Irisil, de la vallée boréale. Mais attention, ce segment, on le connaît tous. Puisque comme vous pouvez le voir à la miniature de Split, il va y avoir des gigadogs sur mon chemin. Et eux, ils peuvent ruiner mon run. Ok, ça peut faire barbare. Ok, lui ne touche pas, lui non plus. Ok. J'ai une dendue. Aucun problème. Eh bien, ça fait plaisir. Là, ils m'ont complètement laissé passer. C'est excellent. Ça fait très plaisir. On va rentrer le plus vite possible dans l'arène de Sullivan. Je crois pas. Parfait, je le savais. 8e boss sur 25. C'est parti pour son combat qui va commencer avec une belle parade sur l'opener. Parfait. 2 coups vont être placés le temps que le boss se relève. 1 et 2. Parfaite cette parade aussi, let's go. On va taper 3 fois dans son dos. Allez, rapidement, hein, parce qu'on n'a pas que ça à faire. Parfait, il se couche, je frappe une fois de plus. Et on élimine le boss. À une vitesse très satisfaisante, c'est parti. Ouais, il égalise quasiment le gold, c'est pas étonnant. On accède donc au début d'Anorlondo. L'objectif, ça va être de grimper au sommet de la zone pour y trouver la bâtisse principale et donc pour y trouver Aldrich, dévoreur des dieux. Petite phase de déplacement tranquille. Je rappelle qu'on est rentré en plus 15 dans le bloc d'Anorlondo. Nous sommes actuellement en plus 3. 12 secondes ont été récupérées. Merci les chiens d'avoir été gentils. Merci la nouvelle route de m'enlever 9 secondes de time lost. Sur l'Irisil Skip, avant de faire l'Irisil Skip. Et merci beaucoup pour le follow Alex Cube, c'est gentil. Bienvenue à toi dans le laboratoire, bien sûr.
Tu ne gardes pas le bouclier. Non, parce que le bouclier de régène, il a moins de frame de parade que le bouclier de parade. Est-ce que la régène d'endu, en théorie, ça peut aider? Je ne sais pas. Je pense que non, sinon on l'utiliserait. Allez, c'est très bien. Joli déplacement. On a activé l'ascenseur d'Anorlondo. Mais honnêtement, c'est une bonne remarque, Onis. J'ai déjà pensé, mais je n'ai pas forcément enquêté beaucoup dessus. Parce que comme tout le monde fait ça, je me suis dit, bah, go faire comme ça. Parfois, je suis un peu un mouton, hein, je vais pas vous mentir. En speedrun, si je vois tout le top 10 qui fait la même chose, je me dis, bon, on va faire pareil du coup. Même si parfois, c'est pas la bonne mentalité, c'est pas la bonne réflexion à avoir. J'ai clairement pas un profil de chercheur de time save ou de glitch. Je l'avoue. J'aurais fait la même. Je pense qu'on en est beaucoup à faire la même. Oh oh, ça me touche. Hein. Il a pas fait l'attaque éclair, donc lui, il faut absolument faire une roulade. Normalement, je peux juste filer, mais c'est bon. Allez, on rentre dans le bâtiment principal d'Anorlondo en passant par le côté, là. Et on va essayer de sauter au-dessus de la barrière pour tomber directement vers le brouillard de guerre d'Aldrich, dévoreur des dieux. Hop. Et attention, je rappelle que c'est le deuxième boss qui sera freeze à l'aide de glitch. Fuck, j'ai mal. Ce qui nous fait bon, dommage pour le coup. Alors. Allez, on va mettre 4 coups. Dommage pour la boule de feu qui est partie extrêmement vite, ça m'a fait un peu mal. Mais bon, j'ai quand même réussi à choper le freeze avec 2 secondes seulement de retard. Allez, dernier coup. Je sais pas si j'ai assez de flamme, ça. Merci. Cri, il y en a plus, on se téléporte. La potion, elle me coûte aussi 1 seconde 5. Ok, ceci met donc fin au bloc d'Anorlondo. Très bien. Le deuxième seigneur des cendres est tombé. Je rappelle que c'est enfin, qu'il n'y aura plus de freeze de boss comme ça à l'aide de glitch. Promis, après j'arrête de tricher. Donc oui, pourquoi il était freeze le boss? C'est simple, je ne l'ai pas expliqué, mais en gros... Tout simplement, le déclencheur du boss, de l'IA du boss, il est mis devant le brouillard, au lieu de le mettre dedans. Les développeurs se sont plantés. Ce qui fait que bah, quand je prends le brouillard le plus loin possible et que j'effectue un backstep pour que mon perso reste toujours penché en arrière, bah, je touche pas la ligne, ce qui déclenche donc pas le boss. Merci, la P, la Pou, on va t'appeler la Pou, ce sera très bien. Merci beaucoup la Pou pour le deuxième mois de Prime, c'est très gentil. Eh, mais j'ai pas raté. Eh hey, mais j'ai raté Michel Platineur, je crois. OMG, j'ai raté un sub. OMG, honte à moi. Michel Platineur, merci beaucoup pour le deuxième mois de Prime. Je l'ai vu, mais j'étais en train de faire un truc et j'ai oublié. Je sais pas si t'es encore présent sur le stream, mais vraiment désolé. Et merci beaucoup pour ce deuxième mois de Prime, ça fait vraiment super plaisir. Et je l'ai complètement loupé, j'en suis sûr. Excusez-moi, monsieur. Mes excuses. Faudrait que j'envoie un message pour remercier, c'est le minimum quand même. Ça m'arrive de temps en temps en vrai, Amen. Je peux vous mentir, en run des fois, je regarde, puis c'est pas... Enfin souvent, le plus souvent c'est quand je regarde, quand j'entends l'alerte, mais je suis focus donc je peux pas regarder. Sur le boss, il se passe quelque chose de mal, du coup ça prend toute mon attention et du coup j'oublie le sub. Oui, c'est vraiment genre... c'est vraiment ça le cas typique. C'était il y a 15 minutes, Michel Platineur. Le set de Michel Platineur. J'ai 15 minutes de retard, ça dégoûte. Ok, on continue. Do it!
Allez, hop. Donc là, on a une section de ski. Donc là, je l'ai pas expliqué, mais j'ai fait des annulations de dégâts de chute avec le sort espion. Donc, basiquement, il faut juste sauter dans le vide, quitter avant de mourir. Et comme le sort espion est activé, bah, le jeu, il met un peu de temps à capter avant que tu meurs. Comme je quitte, ça me permet, lorsque je reviens sur le jeu, bah, de me retrouver tout en bas et de pouvoir continuer mon chemin comme si de rien n'était. Donc ça m'amène directement à la capitale profanée. On va pouvoir affronter Yorm, le géant, 10e boss de la run et 3e seigneur des cendres. Attention, comme Aldrich est tombé au préalable, je vais forcément être téléporté dans la toute première zone du jeu pour affronter la danseuse. C'est parti. Allez, on va prendre ça. La maître des tempêtes est ramassée puisque Yorm est un boss gimmick comme Rykard dans Elden Ring. La tête. Ok, headshot parfait. Ça va me permettre de taper une deuxième fois sans aucun problème. On met une troisième frappe lors de sa transition en phase 2. Oh, bon RNG. Headshot. Dommage. Oh, excellent RNG. Dommage. Dommage que j'ai pas eu les shots, mais ça c'est pas mal. En même temps de perdu par rapport au record. Quatre secondes. Bon, il y a eu un stomp, c'est pour ça. J'avais oublié le stomp du départ. Oupsie. Merci Lélé, c'est gentil. Merci beaucoup, c'est très gentil. Allez, tumble buff, pardon, pour tout simplement doubler l'âme que j'ai utilisée en quittant la salle de Yorm. On va frapper une fois la danseuse, deux fois. Regarde ce qu'elle fait, j'ai pas le choix. 3, 4, 5. Oh là là, c'est n'importe quoi. 3, 4, 1, 2. 3, 4, 5, 6. Mal joué. Mal joué, mais bon. C'est 6 secondes de perdu par rapport à mon record sur la danseuse. Le 11e boss sur 25 est tombé. Mais par rapport à mon PB, bah, je perds pas de temps. J'en gagne même un petit peu. Tant mieux. Mais bon, c'était pas tip top. J'aurais préféré mieux faire. Allez, le bloc de la capitale profanée est complètement terminé. J'ai tué 3 seigneurs des cendres sur 4. J'ai accès maintenant à l'Osric. Mais avant d'aller chercher le 4e seigneur des cendres, je vais tout simplement m'occuper des optionnels de l'Osric. Donc bienvenue dans le bloc des optionnels de l'Osric. Parfait. On s'accroche. Ouais, on s'accroche. C'est en vrai... La session-là, je l'aime beaucoup, je sais pas pourquoi, genre, j'arrive à passer le départ plutôt bien. Au niveau du temps, on s'accroche, je suis pas forcément en avance, mais c'est plutôt pas si mal. J'aime bien, là, ce que je suis en train de faire. Je pourrais faire un peu mieux, mais bon. Allez, donc, pour accéder au jardin du roi illuminé, il faut passer par cet ascenseur. Tumble buff pour utiliser l'âme d'Aldrich assez rapidement. Et on enchaîne. Ce jump, hop là. Armure d'assassin équipée pour ne pas se faire intoxiquer. Et on passe par la ligne la plus courte. Et on est donc prêt pour le gaming. Malin d'avoir regardé lui. Armure anti one shot d'Oceros en place. Ok, ce parfait. Ah, je comprends pourquoi faut les voir eux. Putain, je viens de capter pourquoi faut les voir, c'est marrant, tiens. Herbe prise. 12e boss sur 25. Oceros, le roi illuminé, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai eu peur. Prends-y. Oh putain, c'est rapide, hein. Oh, setup le Stagger.
Stun. Prends. Je tapais dans le vide. Merde. Pas du gâchard, pas du gâchard. Pitié, 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 pitié. Ça va, en plus il était bloqué contre le mur, donc en vrai ça va. Écriture jaune, on fonce. Clean. Joyeux Séros, le 12e boss qui tombe extrêmement bien. J'ai réussi à gérer tous les Stegers avec tous mes comptes. Vous l'avez entendu de toute façon. On arrive donc à la moitié du nombre de boss à éliminer dans toute la run, c'est très bien. J'ai encore de la mana, ça va me permettre d'annuler les dégâts de chute. Et je dois aller chercher encore un boss avant la fin du bloc des optionnels de Losric. Hop, je récupère aussi cet objet qui est obligatoire pour atteindre la zone du roi sans nom. Joli. FDC, c'est très bien. Comme ça, j'ai pas à me soigner, ça me permet d'aller à toute vitesse. Hop, les petites esquives. Ouais. Triss Merigold dans Légende. Ouais, Triss là, elle est en train de faire du bon boulot, c'est très bien. Le PB distance, je rappelle qu'il est au château de Losric. On va peut-être le battre sur cette run. Je ne suis jamais allé aussi loin que le château. Enfin, je n'ai pas dépassé le château de Losric aujourd'hui. Sur cette session. C'est... Waouh, la flèche, quoi. Elle n'est pas passée loin. C'est trop petit, là. C'était beaucoup trop petit, là, la ligne. J'ai pas apprécié, c'était beaucoup trop petit. Vous êtes sapé. Allez, 1, 2, 3, on commence sur l'opener. C'est du Dax Gundyr. La parade pour mettre 3 coups supplémentaires. La deuxième parade, c'est lent. La transition maintenant, bouclier de parade en place, j'esquive le cri, je me décale sur la droite vite. Oui, oi, oi. Je stun et je tue. Je tue avec ce full combo, parfait. On s'arrache. Vous êtes satellisé. Ça fait 13 boss sur 25, on peut continuer. Et pourtant, tu l'as déjà fait ce boss. Eh oui, c'était Udex Gundyr, Udex Gundyr. Ça, là, c'était la version du passé. Donc on l'appelle Champion Gundyr, et c'est le même boss, mais en version trop fort, avant qu'il soit infecté par le Venom. Espèce de Venom qu'il a dans son dos. Très bien. Allez, pas mal. Tu recommandes de faire les souls dans l'ordre pour s'y lancer? Pas trop, non. Déjà, FromSoft, enfin, si tu veux te lancer dans des souls, je conseille surtout de te lancer dans Elden Ring. Déjà. Après, commencer par DS1 ou DS3, ça dépend de ta façon d'aborder un jeu vidéo. Si c'est juste pour le gameplay et que tu t'en fiches un peu du lore, go DS3. Si le lore pour toi c'est important, go DS1. Puis ensuite DS3 et ensuite DS2 seulement. Je pense. Allez, PB distance vaincu. On va pouvoir atteindre le 14e boss de la run sur 25, l'armure de tueur de dragon ou Dragon Slayer Armor ou DSA. Vous êtes sapé. Allez, concentration, on veut pas s'arrêter tout de suite, hein, allez, courage. 1 et 2. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Excellent. 1, 2 et 3. Oh, excellent. Il est magnifique. Il est magnifique. L'armure de tueur de dragon s'est faite éliminer à une vitesse folle. Et vous savez quoi? Sur mon record, j'avais perdu 12 secondes sur le boss. Je crois bien qu'on en a récupéré au moins une dizaine là-dessus. Hein. Oh que oui. Oh que oui, mon gourmand, là. Voilà, 11 secondes de récupérer, ça fait plaisir. Mais DS1 a pris un coup de vieux malgré le remastered, ou ça va encore? Oh que oui, il a pris un gros coup de vieux et ça va pas forcément, non.
Quoi? Pourquoi j'ai droppé? Je sais pas. Allez, on va grimper tranquillement au sommet des archives. Je suis donc dans la dernière zone du jeu. Nous sommes toujours dans le bloc du quatrième et dernier Seigneur des Cendres. L'objectif, c'est de grimper. C'est de grimper au sommet du château de Lothric pour y trouver la salle du trône. Quoi? J'ai raté ma roule. Quoi? Bon, c'est pas grave. Et là-bas, il y aura Lorian et Lothric qui vont m'attendre. Prions pour que je m'en sorte bien, c'est parti. Ok. Pas un truc où genre il se retourne, j'attends et j'y vais. Bon, je sais plus. Je crois que c'est ça, ouais. Ok, je vais prendre ma potion puisqu'il faut absolument que je sois full HP. Je la prends ici pour pouvoir l'annuler sur la chute. La petite gargouille qui peut me causer des gros problèmes. Oh bah alors là, elle va pas me causer des gros problèmes du coup. Puisqu'elle a juste sauté dans le vide. F. Et O7. Pour la gargouille. Qui nous rend quand même un fier service. Merci Napo. Pour le follow, c'est très gentil. Merci aussi Miss Orhat. Ok, aucun problème. Tout est bon normalement au niveau des menus, nickel. Bienvenue sur le contenu final, sur la partie finale du contenu principal de Dark Souls 3. C'est l'escalier qui mène à la salle du trône du château de Lothric. Faut esquiver tous les chevaliers. Ok. Ok. Et on va donc pouvoir affronter très rapidement Lorian et Lothric. Non. Les princes héritiers du royaume. C'est le 15e boss sur 25 de la run. Ça avance, on est en vert. Voyons voir comment je m'en sors. Et n'oubliez pas, retenez cette chose, c'est le plus important. Le boss est complètement glitchless. Allez, c'est parti. Faire une attaque, on va le placer vers le trône. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Et. Neuf. Oh, quoi? Faut pas compter, chef. Faut pas le toucher quand même. Alors, on réactive Lloyd et c'est parti. Bisous. Ah, Yorm. On se casse. Bon, je perds 5 secondes avec mes conneries, mais on est bon. Allez, le 15e boss sur 25 est éliminé. J'ai réussi le freeze sans trop de soucis. Dommage pour le coup, mais bon, c'est les choses qui arrivent. Maintenant, on va accéder... Toutes les seigneurs des cendres sont tombés. J'ai donc accès au boss final du jeu. Maintenant, avant d'aller là-bas pour pouvoir accéder en réalité au DLC numéro 2, on va effectuer un bloc de setup. Merde. Trompée d'âme, surtout pas celle-là, celle-là. Ce bloc de setup va me permettre de faire trois choses. La première, tuer la vouivre ancienne, qui est le 16e boss sur 25. Le deuxième, activer le feu qui va me permettre de combattre le roi sans nom. Puisque le roi sans nom, c'est le 24e boss sur 25. Et enfin, le troisième élément, ça va être... récupérer l'objet qui me permet d'améliorer mon arme en plus 10.
Ok, on descend et on va par là. C'est quoi tes flaques de split? Je capte pas, à chaque fois ça détecte ton quit-out. Bah souvent quand c'est un quit-out, c'est juste un split de position au chargement, juste avant de quit-out. Mais là j'essaye de voir, c'était quand mon dernier quit-out? Je sais plus, à l'aide. Pic du dragon ancien. Ah bon. Allez, nous y voici dans la zone ultra cachée du contenu de base de Dark Souls 3. Le pic du dragon ancien. Attention à pas prendre de coups. On va essayer d'être le plus rapide possible aussi. Belles esquives, ça marche bien, c'est cool. Âme de DSA et âme des jumeaux, parfait. On va tranquillement rentrer dans l'arène de la Vouivre ancienne. Et donc normalement, pour tuer la Vouivre, il faut la one-shot en effectuant un parcours qui nous permet de prendre de la hauteur et de sauter sur sa tête gratuitement. Sauf que les développeurs ont mis des rebords au début de l'arène. Et moi, j'ai pas le temps. Je pense qu'avec ces deux phrases, vous avez dû comprendre quelle va être la stratégie. Pour ceux qui ne l'ont jamais vu, c'est parti. Ok, sur le côté. On va attendre cette flamme, attaque de flamme. On va sauter sur sa tête. Hop là! En utilisant le rebord. Ce qui permet de one-shot le boss, c'est très bien. Ok. Et on utilise encore une fois l'âme, deux fois via Tumble Buff. Nice. Parfait. Superbe exécution, superbe rapidité. Ça, ça fait plaisir. On peut continuer. On accède donc à la deuxième partie du pic du dragon ancien. Et je vais pouvoir effectuer la suite de mon setup. Merci beaucoup, Grido Islando, pour le premier mois de tier 1, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, c'est ton tout premier. Merci vraiment, c'est super gentil. Puisque ça permet de soutenir pour la quête du 70-30. Du chimiste, merci beaucoup. Et écoute, au-delà de ça, content que t'apprécies autant le stream pour soutenir financièrement, c'est très gentil. Allez, on continue de traverser cette zone. Le caillou briseur de run ne brisera pas cette run, parfait. Esquiver le dragon. Hop, l'attaque que j'ai prise, c'est normal. Bof, on aurait pas dû rouler. Eh B. Ok, j'ai essayé de travailler mes lignes, c'était peut-être pas top top top, mais bon. Je pense que c'était plutôt convenable. Allez, on allume le feu du roi sans nom. Ça c'est fait, il me restera donc un dernier item à récupérer, de toute façon on est presque au bout de la zone. Ok, lui il a essayé de me dégommer, ça dégoûte. Parfait, l'objet est récupéré, aucun problème, il est temps d'effectuer quelques menuings. Il est temps aussi de poser les cendres des quatre seigneurs sur leur trône respectif. Le premier, Aldrich, dévoreur des dieux, a trouvé sa place. Nouvelle route oblige, je vais m'arrêter pour choper vite fait. Les chaînes de Gundyr, c'est pour ça que je prends plus l'anneau de la Vouivre. Ça me permet tout simplement de le remplacer par ces chaînes. Super freeze, enfin super cancel d'animation, continue. Niveau, c'est 17 d'endu, de vie, 18 d'endu et 55 de force. J'arrive pas à compter à l'aide. Bien visé là. C'est pas si mal. Combien il me reste? 8000, j'ai assez. Ouais, je pense. J'espère.
Combien? 3000, nice. Allez, go. Vous êtes satellite. Clean. Bon. Joli menuing de liche-feu, je perds absolument. Enfin, je perds juste une seconde sur mon record. C'était plutôt pas mal, juste je me suis embrouillé un moment. Je sais que je peux encore faire un goal sur liche-feu, évidemment. Mais c'était pas si mal, j'ai trouvé ça plutôt fluide, sachant que le menuing est nouveau. Je suis pas forcément super habitué. On allume le feu du roi sans nom. Et on va pouvoir passer à la partie la plus compliquée de la run. Salut Lou, Lou Paring, comment ça, à la forme? Merci beaucoup pour le raid, c'est gentil. Merci beaucoup, beaucoup aussi tout le monde pour les follows, c'est très gentil. Donc. Nous voici au Cave Parnum des confins, c'est la première zone du DLC numéro 2. Pour l'instant, c'est assez calme. Tout ce que j'ai à faire, c'est parcourir la zone qui est en fait sans danger en réalité. Et dès qu'on va arriver à l'Angel's Keep, ça va être problématique. Donc on va prier, on va enchaîner toutes les exécutions les plus dures, une par une. Et on va prier pour que je m'en sorte et que je ne fasse pas d'erreur majeure. Allez, on descend tout en bas. Hop, sur le moulin de Dark Souls 2. Et on va s'approcher très rapidement de ce fameux... Non. De ce fameux Angel's Keep. Allez, on se place là. Et on quitte pour reset la précision de l'ange. Je suis placé pile là où il faut pour faire l'Angel Skip. C'est parti. Chaque échec égale 15 secondes de perdu. Prions pour que ça passe du premier coup. Et ensuite, on va enchaîner directement avec le prince démoniaque. Donc, concentration. Allez, ça passe du premier coup. C'est excellent. Salut, c'est Zizou. Masterclass. Ouais, j'ai goldé. Nice. Fait plaisir, ça. Petit gold sur l'Angel Skip, c'est excellent. On continue. Prince démoniaque, 17ème boss sur 25, c'est parti pour la grosse bagarre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Excellente phase 1 avec l'anneau. C'est extrêmement rapide. Avec le nouvel anneau, c'est extrêmement rapide. Maintenant, faut pas se planter sur la phase 2. On a la musique de Cinder qui nous accompagne. Y'a rien qui va, mais j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup cette ambiance quand même. Sur la phase 2, en plus, on a plus une pile plombe, je vais péter un câble. Plim, plim, plom. 3, 4, parfait. 1, 2, 3, 4. Ok, bizarre. Je sais pas comment pourquoi ça fait ça. Fuck. On va prendre le stab. Hein. On va prendre le stab. Bon, il est pas très bien, la phase 2, malheureusement, je sais pas pourquoi il s'envole trop vite. Ce qui me dégoûte perso, mais bon. Si on a l'opposé de la sortie, fait chier. Ouais. Est-ce qu'on va avoir une phase 1 aussi rapide pour une phase 2 aussi lente, hein? Allez, c'est dommage, 19 secondes qui sautent. Putain, pourquoi il s'envole? Des fois il s'envole pas, des fois il s'envole, je comprends pas. Je comprends pas exactement quel est le positionnement à avoir pour l'empêcher de s'envoler. Et parfois j'arrive vraiment à le faire tourner en brique de fou avec trois coups. Il y a un truc que je capte pas sur ce boss. Sur cette phase 2 là.
Ça doit être un placement, peut-être que je suis trop dans lui, il faudrait peut-être que je sois plus sur le côté. Je me demande quand est-ce qu'il considère que je suis devant lui. Puisque normalement il est censé s'envoler uniquement quand je suis devant lui, c'est pour ça que je le fais tourner en bourrique. C'est quoi l'anneau en forme de doigt? C'est la chaîne de Gundyr. Donc c'est vraiment pas un doigt. C'est une chaîne de fer, un peu rouillée. Bon, allez, on accède à la cité enclavée. Merci pour les follow, tout le monde, c'est gentil. Bienvenue à tous dans le laboratoire. Donc la cité enclavée, ça va être la deuxième zone du DLC numéro 2. Et on va avoir deux skips pour pouvoir la traverser le plus rapidement possible. Le premier skip est un petit peu RNG, mais en soi, ça devrait le faire. Le Partex skip devrait être OK. Par contre, l'élévateur skip, c'est une chance sur 5. Good luck. Et on reste encore des difficultés. On n'a pas encore fait le plus difficile. Ça va arriver très vite. Même trop vite, j'ai envie de dire. Mais bon, j'ai essayé de faire de mon mieux. Donc, je ne l'ai pas dit. Là, il y a 4 tours au menu principal. Je viens d'en faire 3. OK. Donc là, il reste un dernier quit out et on est bon. Ça permet en fait d'atteindre l'invocateur et de pouvoir le détruire, l'éliminer sans aucun problème. Plin, plin, plong. Plin, plin, plong. Allez, c'est parti pour le kill. 2, 3, 4, 5. Et deux. Allez, lui, il faut qu'il soit agressif envers moi. Ok. On va la tirer. Avec des petites parades. Le sort espion. Parfait, il est bien placé, je suis bien placé, je pars. Je vais me caler maintenant juste ici. Hop là, oh putain, je suis peut-être un peu haut. En vrai, ça va le faire, pitié. Fais-moi traverser le sol, pitié. Ça va, c'était juste, mais ça va. Bim, Partex Skip, c'est réussi avec plutôt une bonne réussite, je pense. Peut-être pas le plus rapide non plus, puisque c'est un peu bizarre. Mais donc, en gros, comment ça se passe? C'est simple, j'utilise le mob pour me faire passer à travers le sol et je fais un spook FDC. Ce qui me permet tout simplement... va t'atterrir à la fin du DLC, qui est en fait juste en dessous du début. À la fin de la zone, qui est en fait... parce que la fin de la zone est juste en dessous du début. Ok. Allez, c'est plutôt propre. Maintenant, on arrive à l'élévateur skip. C'est ici où il faut prier tous. Faut qu'on prie tous. Notre Seigneur à tous, Gwen. Pitié, Gwen. Fais-moi passer à travers le mur à l'aide de la force motrice de l'ascenseur. Enfin, à travers le plafond. À l'aide de la force motrice de l'ascenseur. Encore une fois, faut que je parte en OB, en dehors des limites de la carte. Mais c'est pas vraiment facile. Et c'est très RNG. J'ai une chance sur 5. C'est maintenant. Oh putain, c'était clean. Ok. Le parcours. Ok. Insane. C'est rapide, hein. Le jump, c'est bon, j'espère. Descendre à ce niveau-là. Clean. Ok, on enchaîne maintenant avec Midir, 18ème boss sur 25, pardon, je dis des bêtises. J'aime bien l'endu parce que sinon c'est des problèmes après. Go. Salut. Paquet. Oh le goal, mais tu m'étonnes, le goal, t'as vu comment c'est rapide. Oh putain, j'ai raté une lame, c'est pas grave. Allez, focus. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai raté une lame. C'est rien, en principe c'est rien, mais faut pas se planter pour la suite. Allez, le 18ème boss, c'est pour moi. 1, 2, 3 et 4. Oh, on les griffe déjà? Ok. 1, 2, 3 et 4. Le feu, d'accord. Griffe encore, d'accord. 1, 2, 3, 4.
5 et 6 pour me le faire plus. Allez, go. Allez, ça part. J'ai pris un pattern en plus, donc je vais perdre 10 secondes. Ouais. J'ai eu un pattern en trop, malheureusement. C'était de la RNG, je pense. Il y a eu des petites erreurs mais de l'âme, mais je pense que c'était trop réduit pour me faire pour que je paye là-dessus. Donc je pense que c'est juste de la RNG. En tous les cas, c'est que 8 secondes, donc on peut passer à la suite. Courage. On arrive sur la partie la plus compliquée de la roll. Le climax, ça y est. On va enchaîner le boss le plus RNG de la run. On va enchaîner... Ouf. Ouh, j'ai du mal. On va enchaîner ensuite le boss le plus dur. Ensuite le skip le plus dur. Et ensuite le deuxième boss le plus dur. Allez, on arrive au bout de la run. Il reste... moins de 15 minutes. Peut-être que la première place française peut être peut-être prise sur cet essai. Dans tous les cas, c'est Hob, la lance de l'église, qui va le décider. Le boss le plus RNG de toute la run. Est-ce que j'ai une chance de choper le trône? On va voir ça très vite. Allez, je dois tuer d'abord le premier mob additionnel. Voilà. Lui il tombe. C'est le premier. Il y a un deuxième mob additionnel avant d'avoir l'apparition du boss. Tant que la barre de vie n'est pas là, ça, il y a pas de danger. Par contre, lui, il peut être chiant. Backstab est là. Parfait. Parfait. Le premier combo part. Ok. Excellent. Extrêmement rapide. Il est extrêmement rapide. Ce n'est pas lui qui va casser mon run, ça marche. On continue. On enchaîne maintenant avec le boss le plus dur de la run. Gael, le chevalier esclave. Le boss final. De toute la trilogie. Vous êtes satellisé. On va monter la musique et on va pouvoir mettre la musique de fin de run. Allez, musique de fin de run dès maintenant. C'est le calme avant la tempête, il est temps d'aller affronter le boss qui fait office de boss final de toute la trilogie des Dark Souls. Que ce soit le 1, le 2, le 3. Il est très dur. Donc je peux complètement me planter. Faut absolument pas que je prenne de coups sur la phase 1. Allez, go. Ok, très bien. On va stun, deux coups en plus, pas du coup de retape. Oh. Yep. Pardon. Eh ben. Ça joue, hein. Fouf. Ok, deux potions, c'est bien. Allez, fonce, on fonce. 1, 2, 3. On va stun. Parfait. Et on s'écarte. 1, 2 et 3. Ah, les fantômes, bro, ils m'ont baisé la gueule là. Bon, ça, il y en a avec deux, c'est exagère. Je prends un petit coup. Left stun. Allez, crève.
Allez, on se casse. Oh, c'est goldé, putain, l'anneau, il est vraiment trop fort. Hein. C'est goldé alors que j'ai mal joué, chef. Vraiment, hein, l'anneau, il est vraiment trop fort. Il hein. Y a pas... Ouais, il y a un nouvel endroit. Hein. Trompe pas de TP. Bon, allez, mon gars, faut jouer. Allez, on va arriver au skip le plus dur désormais. Un peu de concentration. Allez, suffit d'un run. Et la run, elle arrive là. C'est fou, ça, quand même, hein. Ah, merde, la caméra, elle bougeait. Donc mon personnage, il va aller n'importe où. Ouais, c'est ça. Go. My bad. Je saurai pour la prochaine fois. Enfin, je sais déjà, mais... J'ai pensé trop tard. Je me suis débrouillé. C'est pas parfait, mais normal. C'est une nouvelle route, donc... Il y a les petits détails que je n'ai pas encore en tête. Ça, c'est la deuxième fois que je me fais avoir par ça. Au bout d'un moment, ça va rentrer dans mon crâne. Moi, j'espère. Est-ce que par hasard je peux équiper un truc? Non. Allez, le vilain skip, le dernier skip, le plus compliqué de la run. Voyons voir comment ça va se passer. Pour aller chercher le numéro 1 français, allez! Que t'es spawn. Okay, tout est bon. Attention. Hein. Un et deux. Normalement, je tombe pile sur le bord. Excellent. Salut. Ouf, le gold. Et encore, j'étais n'importe quoi. J'ai goldé. Pourquoi? Parce que la route a changé. Du coup, j'ai reset les golds de sorte à ce que je puisse regolder facilement, histoire de pas tricher. Excellent. Allez, on déclenche tout de suite la devcam pour le vilain skip. Objectif, remonter avec cette caméra dans la chapelle de Fried. Vers la chapelle de Fried. Le premier crabe me veut des problèmes. Oh non, il y a le deuxième. Chier. J'espère qu'ils vont être cool. Hein. Ok, il a l'air d'être passif. Premier transfert, c'est bon. À partir de maintenant, si je tombe, c'est la mort. Concentration. Transfert, pitié. Transfert, pitié. Oui, c'est bon. Let's go. Allez, mon gars. C'est bon, le vilain skip, c'est terminé, ça passe. Allez, à fond, mon gars, à fond. Avec les nouveaux stuff, avec tout, il y a moyen de faire le PB, il y a moyen de le choper directement. Allez. Donc là, regardez bien l'écran. Je suis en train de monter l'échelle que j'ai cassée. Je suis en train de monter le pont que j'ai cassé. Ça va me remettre vers la chapelle de Fried et je vais pouvoir passer à travers l'objet, l'élément qui me bloque. Normalement, je suis censé faire le tour du DLC. Mais là, pas besoin. Grâce à ce skip qui me fait gagner plusieurs minutes, mais qui est d'une difficulté absolument extrême. Ça a l'air d'être dur, ça a l'air d'être compliqué quand vous voyez sur le stream. Sachez que c'est encore plus dur que ce que ça en a l'air, vraiment. Pas besoin du bâton, si. Je sais plus. Non, t'inquiète. Allez, go. Allez, c'est bon, je suis devant l'arène de Sir Fried, le boss numéro 21 sur 25. On est en avance de 20 secondes. Allez, calmos, faut avoir un bon fight. Faut être rapide maintenant. Vous êtes satellisé. Thank you.
Moi je voudrais le bon. Ça meurt. Ok, elle vient me chercher la phase 2 maintenant. Très jolie phase 1 en tout cas. Perso j'ai bien aimé. Elle met 5 coups. Excellent. Tu vas soigner toi. 1, 2, 3, 4. Allez. Ok. Ah c'est pour ça que j'ai besoin du bâton, j'ai oublié. J'ai oublié de prendre le buff, je suis trop con. Heureusement que je peux backup. Hein. Allez go, phase 3. Allez, on reste concentré. Hein. C'est pas terminé, ça ne fait que commencer. Passe bien devant. On va dans son dos. Frappe, backstab. Il interrupt. Ok. Ok. On va la faire. On se casse. Ouais, nouvelle strat hein, qui fait gagner du temps. Salut. Oh là là là, le nouveau stuff qui fait gagner du temps. Allez, 22 sur 25. 22 sur 25, garde Stell. Allez, hein. Là, c'est compliqué, ça aussi. Hein. On le sait. Plus besoin de ça, casse-toi. Allez les loups, restez bloqués, pitié. Très bien. Reste bloqué, t'as pas le mur. Reste bloqué. Clean, parfait. Le loup, sois pas con. Oh là. Cri. On se casse. Salut, c'est Zizou. Allez, masterclass. Ta pute, vas-y, fonce mon gars. Putain, allez mon gars, fonce. Allez mon gars. 23 sur 25, allez mon gars. Courage. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai mal joué, mais bon, c'est pas grave. Je suis sous stress. Hein. Tout serait intense là. Hein. Allez, stun. 1, 2 et 3. Je suis sous stress, bordel, hein. 24 sur 25. Allez, mon grand. Allez. Vas-y, grand, je t'en supplie. Allez, grand. Respire. Le top 1 français, c'est maintenant. Allez. On va arracher la première place. Elle est pour moi, celle-là. Là. Boum, 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 boum.
J'ai encore du boulot, hein. Niveau de stuff. Fais nimp, mais bon, c'est pas grave. Reprends-toi en moins, gros. Ok. 1, 2, je crois que c'est one shot. Et une parfaite. Et deux, pas plus, on va attendre. 1, 3, 4. 5, 6, 7. Oh. 8, 9, 10, 11, 12. Pitié, faites qu'il soit pas forcé en phase 2. Oh shit. Fait chier. Et m'a joué. Yes! Yes! Allez, mon gars. Tu m'as joué, mais c'est pas grave. Plus qu'un boss! Plus qu'un boss, mon gars! Le temps pas forcé! Le temps pas forcé! Allez! Allez! Oui! 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 Wouah! Merde, c'est quoi déjà la séquence? Je l'ai. Ah, y'a plus qu'un rocher par là! Son! Pas de Pokéball, hein? Pas de Pokéball, hein? Ne tue pas un putain de Pokémon, laissez-moi tranquille les monstres, pire pitié! Allez, 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 tout le monde, tout le monde, tout le monde, il y a peut-être un nouveau PV qui arrive. Allez. Le dernier, on le garde pour la fin, il est simple à faire. Et on le garde pour la fin parce qu'il est relou, allez voir. Boum. Boum. Allez, c'est tout droit, c'est tout droit. Le top 1 français, let's go, let's go, let's go. Allez, mon gars, c'est tout droit, let's go. Allez. Concentration. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 et 4 et 5. Allez. Bouillage! Let's go! Let's go, l'équipe bouillage! Bim! Voilà! Voilà! Ça, c'est bien, ça! Nouveau PB pour le chimiste qui s'empare de la première place française du tableau! Je deviens le meilleur joueur français de la catégorie la plus compétitive de Dark Souls 3! Let's go! Oui! Chii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 
Ah, faut mettre les lunettes de laboratoire quand même. Attendez, on est où là? Allez hop, boum, sur ce, la synthèse de PB est une réussite cette fois-ci. L'essai numéro 1605 m'aura permis de choper la première place française de la catégorie et de choper la quatrième place de la catégorie. Prochain objectif, sub 1h11 en tête, bien sûr. On a 23 secondes à récupérer pour choper le sub 1h11. J'en suis largement capable. Oh, comment j'étais stressé à la fin, c'était une dinguerie. Les manips à la souris, là. Les manips à la souris, j'étais trop stressé. Je sais pas si vous l'avez vu, mais je tremblais trop, j'arrivais pas à viser. J'arrivais pas à bouger mon bâton. J'arrivais pas à bouger mon putain de bâton, quoi. C'était trop dur. C'était trop dur. Oh là là. Ouh. Aïe, 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 il est quelle heure? Ah oh, super, j'ai 160 BPM, il est minuit, faut que j'aille dormir, demain je taffe. Ah bah génial toi. Oh yoï yoï. Et le pire c'est que la nuit dernière, bah je suis sorti en ville, donc j'ai dormi littéralement 4 heures. Bah non mais je pense que c'est prouvé, moins tu dors plus t'es fort, c'est prouvé. Il y a un moment. Non mais il y a un moment c'est une dinguerie, hein, vraiment. Oh là là là. Yes, yes. Oh, je suis vraiment content. Nice, putain, let's go. Wow. J'arrive à bien progresser sur cette catégorie, je suis vraiment content. C'est fou, bon. Sur ce... Oh. On va regarder un peu les time save, je pense. Mais let's go, je suis trop content, merci beaucoup tout le monde, je vais vous remercier aussi pour les subs, je vais tous vous remercier pour tous les subs.